hop in the range. Sitting on 4G's, riding with the gang. 30 with the 40 clear, let the bitch hang. Hit me with the reply, shout it, we can hang. On and on and we... What's up les chums? Ça fait si longtemps mes amis. Hey, on dirait que je suis genre on and off sur YouTube ces temps-ci, avec les voyages, avec la job, avec tout ce que j'ai à faire. Honnêtement, je fais de mon mieux. Quand je suis là, je suis toute là. Merde, ça n'a pas rapport. C'est pas comme quand on dit genre on est amis. Hey, je vous vois pas souvent, mais quand je suis là, je suis toute là. Ben c'est ça, quand je suis là, je suis toute là. Je m'ennuie de vous mes amis YouTube, regarde, je vous jure, c'est ça. Je m'ennuie de mes amis Twitch aussi. Mais là, on reprend le beat tranquillement. Garde, anyway, je poste une vidéo de temps en temps, je vais arrêter de dire je recommence les vidéos ou là j'arrête pendant 2 mois puis garde. C'est on and off, c'est correct, c'est la vie, un moment donné on évolue puis au moins je suis encore sur la plateforme, fait que c'est déjà bon. On va commencer par adresser l'éléphant dans la pièce qui est ma voix qui va devenir rauque on and off tout le long de la vidéo parce que c'est comme un mois que je suis malade puis je viens de revenir de la Thaïlande, fait que là je filme cette vidéo là après la Thaïlande, avant mon voyage avec ma mère et ma soeur à Cuba. J'avais comme un 3 jours entre les deux puis je vous... J'ai trouvé le temps de vous faire une vidéo. Fait que là, aujourd'hui, je vous tourne une vidéo que j'étais vraiment sincèrement excitée de vous tourner parce que c'est Noël! Noël s'en vient au moment où je vais vous poster la vidéo, il va rester à... je vous l'avais dit, ça va arriver tout le long de la vidéo. Bref, je vais avoir une voix rauque, si ça me donne un charme, ça me donne un charisme. Ça me donne un peu plus de caractère. Au moment où vous écoutez la vidéo, Noël est dans sûrement comme 10-15 jours à peu près. Aujourd'hui, la vidéo que je vous tourne, c'est une première sur ma chaîne. Je vous fais un unboxing des colis que j'ai reçus. Je me suis dit, c'était vraiment le meilleur temps pour publier la vidéo parce que pour les gens qui sont last minute comme moi, pour leur cadeau de Noël, des fois ça peut vous donner des petites idées supplémentaires, des compagnies à découvrir que vous auriez pas pensé, puis il vous reste assez de temps pour les commander ou simplement aller en magasin. Hey, vous me direz si vous aimez ce genre de vidéo-là parce que j'en ai jamais fait sur ma chaîne, mais tu sais, je reçois tout le temps des colis, puis je le mets une fois de temps en temps en story. Mais je me dis, si jamais c'est quelque chose que vous aimez, ça vous donne des idées justement de cadeaux, ça vous fait découvrir des compagnies, je peux vous le refaire, parce que je reçois quand même pas mal tout le temps des colis. Ok, fait que ça part. Là, je vais commencer avec un colis que je sais pas c'est quoi, ok? Parce que il faut dire que quand je reçois des colis, la majorité du temps, je sais c'est quoi, parce que soit les compagnies m'écrivent directement sur Instagram, ou souvent ils écrivent par courriel à mon agente. Fait que c'est pas moi qui accepte nécessairement assez pas mal ce que j'aime pas recevoir. C'est sûr que ça fait 2 mois que j'étais en voyage, donc j'étais pas au Québec, puis j'ai accumulé beaucoup de boîtes, beaucoup de colis. Mais en temps normal, j'en ai pas autant. J'aime pas accumuler des affaires que j'utilise pas, fait que normalement, je sais c'est quoi, mais là, je vois des boîte que je pense que je le sais pas. Fait que on va avoir des petites surprises ensemble. C'est vraiment Noël en fait. Ça, c'était la partie la plus tough, ok? Parce que moi, je suis revenue de voyage là, comme 4 jours. Puis j'avais toutes ces boîtes, tous ces beaux cadeaux. Puis j'étais comme, oh my god, je veux tout déballer, je veux tout découvrir. Mais fallait j'attendre de faire la vidéo. Fait que now it's jour J. Let's go. Ok. Premier colis. Oh my god! Oh my god, j'ai reçu un calendrier de l'Avent! Oh, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu! Non, sincèrement, c'est quelque chose que je prenais pas le temps les dernières années de m'acheter. Parce qu'on dirait que c'est un thing, genre que, je sais pas, je m'achetais ça quand j'avais ça quand j'étais jeune de mes parents. Tout le temps, un petit calendrier cheap de l'Avent, du Dollarama, genre, puis c'était bien correct, là. Ça fait des années que j'ai pas eu de calendrier de l'Avent. Yves Rocher, c'est de Bretagne, de France. Vu que je vais être en Cuba, je pourrais en prendre 7 live. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Fait que là, mettons qu'on prend la boîte numéro 1 parce que je vais être en vacances, fait que j'ai le droit. J'ai reçu une crème pour les mains. C'est tellement pratique, genre c'est quand même un gros format là. Je trouve ça malade pour découvrir des produits pour vrai. On peut aller voir le 2 aussi vite vite là. Mettons le 2, ça c'est... Hein? Soins réparateurs, sans rinçage, cheveux abîmés secs, c'est 100% moi. Je sais qu'ils ont l'air vraiment en santé présentement parce que je mets beaucoup de produits dedans pour essayer que ça ait l'air correct. Mais vous demanderez à mon coiffeur, mes cheveux sont l'enfer en ce moment. Ça, c'est parfait parce que je vais amener ça en voyage. Merci Yves Rocher, je suis vraiment contente. Prochain colis et on a ici... Oh my god! C'est littéralement un cadeau de Noël! C'est tellement cool! Checkez-moi ça! C'est de la part de NYX. Je sais pas qu'est-ce qu'on a, on va découvrir ça ensemble. By the way, moi avant de recevoir... Excusez, je peux plus parler! J'ai trouvé une roulette de lipstick! 14 produits de taille réelle. Ok, fait que ça c'est des coffrets cadeaux de Noël que tu peux acheter. C'est insane! Insane in the brain. Quand tu sais pas quel gloss acheter, achète-le tout! La gang, c'est parce que moi, ma passion, c'est les gloss, fait que je capote. Ok. Man, les compagnies ont tellement été généreuses, ça n'a pas de bon sens. On va découvrir les 14 produits là-dedans. Pour les produits que j'utilise pas, by the way, soit que je les donne à mon entourage, mes proches, puis là, je vais commencer à me faire une petite boîte que je pourrais peut-être faire tirer à mes abonnés une fois de temps en temps, fait que stay tuned. Comment ça s'ouvre? Oh! Ok, ça s'ouvre de même.
Ok, c'est vraiment 14 produits NYX, là. Ok, je vais faire ça en rafale. Beauty Blender. Oh, une huile pour les lèvres. Je trippe là-dessus, c'est insane. On a un blush en mousse. On a un Butter Gloss. Comme si j'en avais pas assez. Butter Gloss encore. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. Je l'ai pas testé encore, mais je vais vous en redonner des nouvelles sur Instagram. En tout cas, il y a plein d'autres affaires, là. Il y a d'autres gloss encore. Hey, c'est thématique gloss, hein. Alors, je vais pas toutes les repasser en revue, mais il y a des gloss en masse. Ensuite, c'est vraiment emballé comme si c'était un cadeau de Noël, là. Oh my god, la gang! C'est une palette d'ombre à paupières, mais super festive! Il y a tellement des belles teintes, pardon! Merci tellement, NYX! Prochain colis! Je pense que je sais c'est quoi celui-là, puis on n'est plus dans la sphère beauté parce que je vois qu'il est écrit « Home Fresh, il est temps de relaxer! » Oui! C'est des chandelles, ma passion chandelle. Il y a passion gloss, passion chandelle. Regarde, je suis une fille passionnée, la gang. Oh my god, ça sent tellement bon. J'ouvre le colis, puis juste l'ouvrir, ça sent fucking bon. Coucou Alexandre, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de t'envoyer nos chandelles d'hiver qui, j'espère, te plairont. Voici un code de 15% de rabais sur notre site web pour tes abonnés, Alexandre15. Je trouve que c'est tellement un beau cadeau à recevoir, là, honnêtement. Puis comme juste, admettons, la mère amie qui a dit qu'elle voulait recevoir des chandelles pour Noël, comme je trouve que c'est un cadeau, il y a personne qui peut être pas content de recevoir des chandelles, sauf mon père. S'il y a bien quelque chose qui l'écœure, c'est que ça sente le sapin de Noël, une chandelle, là, mais regarde, ça, c'est un cas à part. Ok, fait que là, j'ai reçu biscuits au sucre. Ça sent sucré, mais ça sent vraiment bon. Ça sent pas trop sucré. J'adore. Puis je vais vous dire ma préf à la fin. Ouh! Fraîcheur d'hiver, sapin, baumier, frais, eucalyptus. Ça, tu me gagnes. Quand il y a des odeurs naturelles comme ça, là, le bois, l'eucalyptus, tout ça, là, ça, c'est... Oh my god, y'a rien qui peut battre ça, là. Ça sent le sapin. Tu t'en vas magasiner ton sapin, c'est ça que ça sent. On a Bubbly Champagne. Incroyable, ça sent, c'est champagne, baie et mandarine. Mon deuxième préf. Lueur polaire, les noms j'adore. Ouh, ambre, doré, cuir, baie. Man, la gang, leur chandelle sent tellement bon, ça n'a pas de bon sens. Ensuite, on a crème d'amande. Ok, ça c'est vraiment, ça sent vraiment le croissant aux amandes. Tu veux un croissant aux amandes, achète ça. Chai latte, on a l'odeur de chai latte. C'est les petits bonbons rouges qui piquent un peu, là, qui sont comme... Ouais, vous savez de quoi je parle, mais ça sent vraiment ça, là. Fait que voilà, c'est toutes les chandelles que j'ai reçues de Home Fresh. Merci tellement. Regarde, j'ai de quoi avoir du plaisir, là, à faire brûler tout ça. N'oubliez pas le code Alexandre15 si jamais vous voulez vous en procurer pour vous ou vos proches à Noël. Ok, prochain colis. Je sais c'est quoi, parce que ça, je les ai sélectionnés sur le site et j'adore! C'est de chez Noumi. Je pense que c'est une nouvelle compagnie québécoise. Je sais pas si c'est nouveau. Je pense. Ok, donc on a un petit top gris avec les petits shorts ici de pyjama. Trop mignon. Puis tu peux aussi acheter le petit pull par-dessus. Fait que t'as genre un ensemble de pyjama qui est comme quand t'es chaud, tu te mets comme ça, tu te mets cozy en dessous des couvertes. Puis de même par-dessus quand t'es un peu plus froid. Puis ça fait vraiment cute là. Fait que j'ai le kit en gris et je sais que j'ai la même chose en beige. Je vous montre ça. Oh my god, les couleurs, c'est trop mignon. Checkez ça. C'est comme un petit beige crème. Avec le petit cardigan, le petit pull, celui-là, je l'ai pris dans le medium. Je l'ai pris un en small puis un en medium pour que ça fasse un peu plus oversize. C'est sûr, j'en apporte un des deux à Cuba, ça. Si vous trouvez ça autant cute que moi, allez l'encourager. Vous pouvez toujours faire une différence avec les compagnies québécoises d'ici. Merci, Noumi! Je trippe trop! Prochain colis! Prochain truc que j'ai reçu, ça, la gang, je suis obsesse. C'est de chez Little Burgundy. Oh my god! Les plus mignons! C'est les Birkenstock! Comme ça ici. Sont tellement mignons, là. C'est les Boston Birkenstock. Je les ai reçus. Puis moi, j'achète vraiment toutes mes souliers chez Little Burgundy, là. Honnêtement, dans les 6 dernières années, j'ai pas acheté une paire autre que Little Burgundy. Toutes mes shoes, je les achète là, c'est pas compliqué. Genre, tu peux t'acheter des Nike là-bas, des sandales, des Boston, des Birkenstock. Il y a toutes les marques hype, puis les souliers hype du moment, tu les trouves là, genre. Little Burgundy, la gang. Ça, la gang, je sais c'est quoi, mais en même temps, je sais pas c'est quoi. Là. J'ai pas ça, moi, des affaires de même. Là. J'ai reçu le Asus ROG Ally. Avant ça, j'aurais pas acheté ma Switch l'année passée parce que j'ai reçu une machine, ma foi, performante qui est ça, là, dans les idées de cadeaux, là, c'est insane. C'est une affaire que tu peux jouer de différentes façons. Ça, ça peut devenir comme un peu ton ordi, fait que tu plugues ça sur ton écran. Tu peux jouer à des jeux de pro, là, là-dessus, là. C'est le Pro Time.
It's pro time, la gang. Honnêtement, de ce que j'ai entendu, c'était une machine de guerre, cette petite chose-là. Fait que à tous mes amis gamers qui regardent ça, ou si vous avez un chum gamer, que vous avez un bon budget, ça, c'est tout qu'un cadeau à donner. Merci, Asus! Prochain colis, je vois qu'il est écrit sur la boîte Miley's. Je sais pas c'est quoi, je pense. Ça a l'air d'être une boîte genre de cosmétiques. Oh! You look hot from this angle. Oui, je pense que je sais c'est quoi. Mon agente m'en avait parlé que j'allais recevoir ça. Ok, ici, comme, admettons, on a cette crème-là. Fait que ça, de ce que j'avais lu sur le site, c'est, admettons, pour les vergetures ou pour la cellulite, ça va vraiment venir raffermir ta peau. Le prochain, c'est Be Tight. La gang, j'ai déjà eu des masques pour la face, pour les cheveux, mais pour le cul, c'est une première. Ok, fait qu'ici, on a le Be Tight. Masque fessier tonifiant et raffermissant. C'est ça, ça l'attaque un peu les bosses puis les masses. Je pense pas que ça va passer d'un cul de même à un cul de même. Ça va pas bomber ton cul, mais je comprends que ça peut raffermir puis comme lisser la peau. Et on a le sérum raffermissant et tonifiant pour le corps. Oh! Le packaging est vraiment cute, là. Ok, fait que c'est ces trois produits-là. Je me demande juste qu'est-ce que ça apporte plus qu'une crème normale, mais je vais les passer au test parce que je suis vraiment curieuse de les essayer. Puis je vais vous en redonner des nouvelles. Fait que c'est la brand Miley's. Ça là, j'étais excitée à un autre niveau! Vous savez maintenant que je m'entraîne beaucoup, des vêtements de sport là, y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Pratiquement rien. Même pas un gloss. Entre un gloss pis ça, je prendrais ça. Fait que c'est leur collection Emerald. Non mais la couleur, j'ai pas un vêtement de sport qui a cette couleur là. C'est emerald, genre c'est beau, c'est vert forêt. Voici le dos et le front avec les leggings, évidemment. J'ai vraiment hâte de tester, voir le fit, mais honnêtement, juste à toucher, vraiment de qualité là. Je commence à être une pro en termes de vêtements de sport là. Pas pour me vanter, mais tu sais, j'ai du Oraki, du Suave maintenant, j'ai du Loulou, j'ai du Sabé. Oh my god, avec le chandail, c'est un chandail long, fait que c'est un petit kit emerald. Fait que quand j'arrive au gym puis que j'ai froid, je fais mon échauffement, tout ça, j'ai ce petit chandail là. Oh! Ok, attends, non, ça peut être porté sans top de sport parce qu'il y a des pads intégrés là-dedans aussi. Ok, kit de rêve. Et je vois dans la boîte qu'il y a... Oh my god! C'est aussi mon premier! J'ai pas de One Piece, la gang! Ok, ça, je veux amener ça à Cuba, absolument. J'ai tellement hâte de l'essayer. Soivé, la gang. Oh my god, imagine ça se prononce vraiment pas soivé. Moi, je suis là, je rends ça, là. Soivé, mamacita! Je sais pas c'est quoi, encore une fois. Oh! Ah, c'est IDC! Oh my god, ça c'est tellement des bonnes crèmes là. Bonjour Alexandre, voici la crème Phyto Express ainsi que la recharge IDC démo. Je sais pas c'est quoi. Crème anti-âge, visage, yeux, cou, 16 en 1. Ah, barnouche, c'est efficace ça. Ok, c'est un pot comme ça que tu fais juste genre clac clac puis là tu pognes ta crème. Ça, c'est tellement cool, j'en avais pas comme ça. J'ai hâte de tester. Puis ça, c'est la recharge. Fait que la recharge, ça ressemble à... Ok, je pense que c'est pour éviter le plastique puis tout. Fait que admettons que t'achètes ce pot là, tu l'aimes full, tu veux juste acheter la recharge parce que souvent tu payes pour le packaging, on va se le dire, dans toutes les affaires de beauté. Fait que t'as juste la recharge puis tu fais... Tu le rentres dedans. J'aime trop. Mais là, j'ai hâte d'essayer la crème. Merci IDC! J'ai manqué de voix. Mal. Ok, prochain colis. J'ai reçu deux crèmes de chez Biotherm. Donc ici, on a la crème anti-âge. Tabardouche, hey! Dans cette vidéo-là, là. Je sais pas si les brands, ils ont un mot à me passer, mais c'est des crèmes anti-âge que je reçois. Fait que... Genre vingtaine, trentaine, c'est des crèmes anti-âge que tu veux. On veut prévenir les rides ici, là. Fait que c'est vraiment une crème anti-rides et uniformité pour tout type de peau. Et ici, oh my god, ça c'est trop nice. C'est une crème anti-âge aussi. C'est de la même gamme, mais c'est pour le eye cream. Fait contour des yeux. Oh, il y a du rétinol! Hey merde, je peux pas donner ça, faut que je le garde. J'ai entendu parler du rétinol, moi j'ai jamais utilisé ça, j'en avais pas chez nous. Mais je sais que ça a vraiment des propriétés anti-âge, vraiment ça coche. Merci Biotherm! Ok, on poursuit avec... Ça c'est Whoop! Ok, on fait les prochains colis en rafale parce que c'est des trucs que j'ai reçus mais je sais pas si ça se donne en cadeau de Noël. Là, j'ai reçu de la compagnie Whoop, c'est des produits plant-based. Ça, je trouve ça insane. Ça ressemble à ça. Là, je sais que j'avais reçu plusieurs boîtes de Whoop. C'était du faux saumon qu'il fallait mettre directement au frigidaire. Mon agent a oublié de me le dire, fait que moi, j'étais à Bali, je pouvais pas savoir. Fait que j'ai perdu plein de faux saumons que j'aurais tellement voulu goûter, la gang. Genre, pour moi, c'est légendaire. J'adore ces produits-là. Mais là, j'ai reçu... Oh! Ok, je vous passe en rafale vraiment vite les sauces que j'ai reçues.
Fait que j'ai reçu la ananas pineapple, saveur de sésame, érable, soya, sriracha et arachide. Ils ont été tellement généreux, là. Wow! Ok, mais on peut-tu parler aussi du packaging? Les vieilles sauces, là, les vieux pots de sauce là, d'épicerie peuvent aller se rhabiller, là. C'est un petit poisson! Ah, aussi, je viens de voir que j'ai un code promo, c'est Alexandre10, si jamais vous voulez commander puis essayer ça. Whoop4! Yeah! Ok, les trois prochains colis que j'ai reçus, c'est de l'alcool. Fait que si vous voulez des petits cocktails, des nouveaux trucs à découvrir, je vous présente les compagnies que j'ai reçues. Ok, ça là, mon agent, elle était comme « Non, mais il faut vraiment que tu l'essayes, c'est genre, c'est la boisson à Kim K. » Fait qu'elle a donné mon adresse pour recevoir les Alani de Kim Made. Ok, j'aime vraiment le packaging. Est-ce qu'on goûte? J'ai vraiment pas le goût de boire. Oh, c'est pas de l'alcool! C'est des boissons énergisantes avec caféine. Ok, le packaging est vraiment cute là. Mmm, ça sent bon. Ok, non, la gang, c'est actually fucking taste. C'est vegan. Je comprends, Gab, maintenant, pourquoi tu voulais absolument m'envoyer ça puis que je les teste, parce que c'est fucking taste. Hey, thank you, Kim. Merci pour le colis. Ok, prochaine boisson, c'est de la compagnie Vita Gua. Salut Alexandre, dis bonjour à ta nouvelle eau vitaminée pétillante préférée. Bonne dégustation, cheers! Ok, ben le packaging est cute. Voici ma nouvelle eau pétillante préférée. C'est sans gluten, zéro sucre et calories. C'est de l'eau vitaminée, fait que c'est juste bon pour toi, là. Ça vient pas te donner de l'énergie. C'est pas une boisson énergique ou whatever, là. Ok, odeur... Pas d'odeur. Yo, c'est bon. By the way, c'est zéro sucre, là. Y a même pas de sucre pis de calories là-dedans. Ça goûte vraiment l'eau pis comme si t'avais mis des cocombes dedans. Mmm, ça le fait! Hey! Cheers! À ma nouvelle eau pétillante vitaminée préférée! Merci Vita Gua, j'aime beaucoup! Prochain truc, c'est pas un colis que je veux vous conseiller, la gang des Brow Lamination, des Lash Lift. Je fais ça à tous les deux mois depuis maintenant au moins 2-3 ans. Je suis accro à ça. J'aime ça ne pas me maquiller en voyage, fait que j'avais au moins avoir un petit Lash Lift. Ce que ça vient faire, c'est avant mes cils, on les voit pas, sont inexistants, puis après ça, ils viennent vraiment te donner comme si t'avais du mascara en tout temps. Puis aussi, le Brow Lamination, ce que ça vient faire, c'est que ça vient comme laminer tes sourcils vers le haut, puis ça fait comme si t'avais mis du gel à sourcils le matin. Je me fais faire mon Brow Lamination à la clinique Radiance, si jamais. C'est une clinique sur la rive sud. Puis en plus, ils donnent un petit sérum après que tu peux mettre pour nourrir tes cils et tes sourcils. Et mes cils, en ce moment, je les fais avec Samantha. C'est ma grande chum de bitch. Je vais vous mettre son Instagram juste ici. C'est vraiment des beaux soins à recevoir. Fait que si jamais ça vous parle... Ok, prochain colis. Là, on parle. Ça, c'est de l'alcool, la gang. Ok, je vous ai dit, on est festif. On apporte de l'alcool chez les beaux-parents pour Noël. Et on apporte Norrois Distillerie. La gang, ça, là, Norrois, ils m'avaient déjà envoyé un paquet. Puis j'avais tellement trippé sur leur alcool. C'est une distillerie, dans le fond, qui vend différents trucs. Puis ils font leur propre alcool. J'ai non seulement reçu plein de drinks, mais aussi j'ai reçu du popcorn puis un jeu de connexion parle-parle-jase-jase. Ça, je trippe sur ces jeux-là. C'est la compagnie meilleure. Parle-parle-jase-jase, c'est des jeux de connexion puis genre, tu piges une carte puis ça pose une question. Ça permet d'avoir des conversations avec tes proches autour d'un petit drink, c'est toujours le fun. Des petites soirées de girls avec ça, j'adore. Fait que là, j'ai reçu 4 cosmopolitains. Je pense que c'est des cosmos. Ça s'appelle Cosmo, ça doit être des cosmopolitains. À saveur d'orange et canneberge, un mojito, un sour, une limonade et sangria rouge. Hey, je pense que c'est ce qui conclut la gang. J'ai tellement reçu de shit là. On dirait que ça me rend mal à l'aise maintenant d'avoir fait cette vidéo là. Je suis comme j'ai trop été gâtée, j'ai trop reçu d'affaires. Là, c'est sûr que c'est sur 2 mois. Je reçois pas ça, ces affaires là à chaque semaine là. Toutes les compagnies qui sont mentionnées dans cette vidéo là, merci tellement. Puis j'espère sincèrement que pour les gens qui sont en retard, ça va vous avoir donné un peu d'idées pour vos cadeaux de Noël. Et j'espère aussi que vous avez découvert des compagnies québécoises dans cette vidéo là. Je vous invite à les encourager si jamais un produit qui vous parle. Je vous souhaite vraiment sincèrement un beau temps des fêtes, la gang. C'est ce qui conclut ma vidéo du temps des fêtes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et sur ce, on se dit bisous!